pas mal non plus. Elle s'arrête, on se ménage, du coup on regarde la balle au pilote. Oh, c'est chaud. Et pour Charlie, je suis pas sûr. Pour Charlie, dernier. Là-bas maintenant, Temple José qui s'est porté à côté de Drouet. Il lui montre son nez là-bas sur le côté des portières. S'il est gêné, il faut qu'il prenne le tour joker, c'est ce qu'on va lui dire. Et là, ça va vite. Hein. Je vous rappelle Drouet qui a remonté sa voiture après le choc. Et bah c'est pour ça, je remercie ceux qui ont mis des commentaires positifs sur le Facebook de Rallycross France et qui disent le live streaming marche super bien cet après-midi. Eh bien tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Souci au ralenti, Fabien, pendant ce temps-là. Comme le je sais que le Fiat Pégase est 46-400 comme le je sais, le dernier tour, et Fabien Drouet est arrêté. Fabien Drouet qui est arrêté. On est deux, on fait trois. Ouais, moi j'ai un monsieur gourmand. Elle est faite très bonne. Allez, le drapeau à la voilà, le drapeau à la mienne. Alors, 5 premiers ou pas? Ah, 6e meilleur temps. Juste, il n'y a pas beaucoup. Hein. Romain Barré qui en termine. Et Romain Barré, c'est retrouve à la 16e place. Fusion sera plus loin, ça nous donne donc le meilleur temps Bayardon, 2e Pertoro, 3e Éouzan, 4e Lambec, 5e Pélère.